lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Survivor. Alors pour commencer, j'ai un polo qui vient de chez Fugenza. Donc c'est les polos compétition. Il est bleu marine et bleu ciel à l'intérieur du col. Il y a des petits boutons, un petit logo HRC avec du rose. Et pour la taille, il est soit en 34, soit en 36, mais en gros ça correspond à du XS. Dans le dos, il est surpiqûré bleu ciel avec un logo. J'ai exactement le même en rouge, sauf que ce coup-ci, le col est gris, toujours de chez Fugenza. Ensuite, j'ai un pantalon bleu marine Equitem. Il est en taille 34. Donc dans celui-ci, ce sont des vraies poches. Et le bouton, ben, c'est pas un bouton à pression, c'est un bouton tout simple avec un petit diamant dessus. Au niveau des jambes, il est très agréable, il n'y a pas de scratch, c'est élastique. J'ai un deuxième Equitem rouge, donc celui-ci il est tout rouge, il est également en taille 34, le bout des pieds est également élastique. Les surpiqûres sont bleu marine grise, ce sont des fausses poches et le bouton il y a écrit Equitem avec le petit logo de Equitem à l'intérieur. Derrière, ce sont également des fausses poches. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce pantalon, c'est justement le petit logo Equitem écrit avec ses petits strass et ce petit carré brillant. J'adore, c'est trop beau. Ensuite, j'ai un pantalon Fugenza. Donc celui-là, c'est plutôt pour l'hiver, tout simplement parce qu'il tient très chaud. Donc au niveau des jambes, pour protéger avec la selle, c'est une sorte de daim. Et donc l'intérieur est en polaire. C'est pour ça que je le mets qu'en hiver, sinon je crève de chaud. Il est en 14 ans. Au niveau du derrière, on a une toute petite poche avec un petit logo écrit en bleu marine. Au niveau de ma tenue de concours, donc j'ai tout d'abord mon polo Equitem blanc. Donc j'adore ce polo. Donc on a un petit logo Equitem en argenté. On a le petit col avec les boutons. J'adore ce polo tout simplement parce que c'est une matière antitranspirante, ce qui fait qu'il ne tient pas chaud du tout. Il est très léger. Il est en taille 36 avec le col avec les petits strass et j'adore ce polo. Mon ancien pantalon de concours était un Fugenza, enfin il est toujours Fugenza, blanc. J'aimais pas trop ce pantalon parce que la matière est pas très agréable, mais par contre je le trouve beau quand même. Donc c'est un Fugenza blanc, il est en taille 12 ans.
Au niveau des chevilles, c'est des scratchs et je suis vraiment pas fan. Derrière, ce sont de fausses poches et par contre, j'aime beaucoup le logo que je trouve très joli. Mon pantalon blanc actuel, c'est un Performance. Donc, il est blanc avec les surpiqûres et les bouts de poche blanches. Le bout des jambes est élastique, du coup j'adore cette matière. Le pantalon est en matière très très agréable à porter. Ce sont de vraies poches, mais elles sont petites. On a des petits strass sur les côtés qui sont très jolis. Le bouton, c'est pas un bouton à pression, c'est vous savez quand on coulisse. Il est en taille 34. Derrière, on a le logo Performance en rouge et des poches, mais ce sont des fausses. Ma veste de concours est une Steeds avec le col en velours. Elle est noire et grise à l'intérieur. Elle est très légère et du coup très agréable à porter, mais elle commence à être petite, du coup je suis un petit peu serrée à l'intérieur. Les poches, ce sont des fausses, il y a des boutons un petit peu partout, sur les manches, etc. Et dans le dos, ben, écoutez, c'est une veste de concours quoi, et elle est ouverte pour faciliter la monte. Au niveau des chaussettes, je vous les présenterai pas parce que déjà tout d'abord il y en a beaucoup qui sont au sale. Qu'est-ce que j'ai comme chaussettes? J'ai des Fugenza, j'ai beaucoup de fines parce que j'aime pas les épaisses. J'ai des Cozy Socks. Et voilà. Alors mes boots, ce sont des boots de la marque Orz. Elles sont en faux cuir. Il y a un petit bouton de pression derrière, des petits boutons pour tenir les éperons de chaque côté. Donc il y a des petits motifs partout. Des élastiques, les chaussures sont à élastique mais ils ne s'accrochent pas, c'est pour faire beau. Et donc l'intérieur c'est, je sais pas trop en quelle matière, c'est élastique sur le côté. Et donc on a un bouton de pression et une fermeture pour les fermer. Et elles sont en taille 36. Ensuite, j'ai mes chaussures d'hiver. Donc, elles sont de la marque Steeds. Elles sont très très bien. Franchement, je les adore. Elles tiennent très chaud. L'intérieur est en polaire. Elles sont noires, bien entendu, avec ben, plein de petits détails. Et voilà, franchement, je les aime beaucoup. Elles tiennent très chaud. Elles sont à crampons. Du coup, on tient très bien l'hiver quand ça glisse dans la gadoue, etc. Et je vous les conseille. Je les ai en taille 36. Après, pour traîner aux écuries, quand j'ai envie d'enlever mes boots, j'ai mes anciennes chaussures de cours, donc c'est des Reebok, je crois que ça se dit comme ça. Elles étaient blanches et grises, maintenant elles sont plutôt marron, et voilà, enfin c'est des chaussures juste pour traîner au club. Pour mes chaps, donc c'est mes chaps de la marque Norton que j'avais acheté au salon du cheval avec les strass. Donc c'est du faux cuir, c'est de l'imité cuir. Et comme vous pouvez le voir, elles sont déjà bien abîmées au niveau des frottements de la selle, etc. Donc vu le prix, je m'y attendais un peu. Mais bon, à part ça, elles tiennent très bien et les strass tiennent très bien. Je les ai en taille XXS. Ensuite, donc j'ai ma veste que je mets tout le temps. Donc c'est la veste de mon club. Donc je l'ai en rouge et noir. Donc le logo, c'est notre logo de club avec écurie des cotottes. J'adore cette veste parce que déjà il y a des grandes poches un peu partout. Et aussi parce qu'elle tient très chaud. C'est une coupe-vent et l'intérieur est un peu en polaire. Du coup, j'ai jamais froid avec.
Elle est en S. Ensuite, j'ai ma veste d'hiver, donc que j'ai achetée cette année, pareil. Donc les manches sont élastiques. Elle tient super chaud, elle est de la marque Steeds avec les écritures roses et l'intérieur rose. Il y a des grandes poches aussi, donc c'est vraiment pratique pour mettre le téléphone, etc. Donc c'est une fermeture éclair et la fermeture éclair est sur le côté, donc vous allez voir après. L'intérieur de la veste est en polaire rose, donc elle tient très chaud. Je l'ai en XS. Et l'intérieur des manches, par contre, c'est pas de la polaire, c'est très agréable. Et c'est pareil en bas, et il y a des pressions, je sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est pour remonter la veste quand on monte. Mais bon, ça, je m'en sers pas, puisque moi, ça me gêne pas. Et donc, il y a des boutons de pression de chaque côté, en bas et en haut. Et comme je vous l'ai dit, il y a cette fermeture qui est décalée pour pas gêner quand on remonte la fermeture tout en haut, pour pas que ça gêne au niveau du cou. Ensuite, donc j'ai mon bonnet prune avec des petits paillettes, donc la marque, je vous laisse lire. Avec un petit pompon, donc je vous rassure, ça se voit, de toute façon, c'est de la fausse fourrure. La marque, enfin la taille, c'est taille unique, et donc voilà, Iloa m'embêtait. Mon stick de dressage est un Whip & Go rose avec du gel. Donc celui-là, ça fait 3-4 ans que je l'ai et il tient vraiment bien. J'adore ce stick, franchement, je vous le conseille. Ensuite, j'ai une cravache toute simple, noire. J'ai ma cravache Whip & Go noire avec du gel que Nikki m'a cassé. Du coup, je vais essayer de la rafistoler, mais je suis pas sûre d'y arriver. Et ma dernière cravache est noire, c'est une Edouard Godard en caoutchouc, franchement, qui est aussi très agréable à tenir, que j'ai gagnée à un concours. Alors ma bombe c'est une Smart, donc je l'ai depuis très longtemps, il faut absolument que je la change, tout simplement parce qu'elle est cassée en fait. Donc oui c'est assez inconscient je sais, mais il faut que je la change. Mais voilà, je tombe très très peu et elle est cassée parce que ben voilà je suis déjà tombée comme tout le monde. Et enfin c'est pas une très très grande marque, la bombe est super légère etc. Elle est en taille XS. Et donc comme elle est très légère, elle casse très vite. Ensuite j'ai mes gants donc, que j'ai acheté au salon du cheval. Avec des petits strass et une petite matière en velours un petit peu. Les gants ils sont très légers, très agréables à porter. C'est du tissu, je sais pas trop quoi comme tissu. Et j'aime beaucoup ces gants. Je les ai en taille S. Pour terminer, j'ai ma Rési, donc elle est noire et blanche avec des petits strass au milieu. Donc là, c'est le petit filet pour mettre le chignon et c'est une pince. Voilà, donc là je finis cette vidéo en bas, donc je suis désolée si ça résonne, mais j'ai un peu la flemme de remonter en haut. Du coup, je finis en bas puisque ben, mes chaussures, etc. étaient en bas. Je n'ai pas tout présenté, c'est-à-dire que j'ai encore des habits, j'ai mes chaussettes. Après, pour le cavalier, je vois pas trop ce qu'il y a de plus, juste au niveau des habits. Mais, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous préférez ce genre de montage-là ou plutôt quand je parle? Et ben écoutez, je vous laisse pour une prochaine vidéo.